Oui, bonjour, effectivement, j'avais des saucissons, des saucissons. Et oui, moi aussi, comme champi, je travaille chez Justin Bridoux, j'ai des saucissons, donc voilà. Donc là, normalement, vous devriez m'entendre. Donc, comme je disais, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous passez un très bon week-end, que tout va bien. Pour moi, c'était donc un week-end de 4 jours. 4 jours durant lesquels j'ai pas beaucoup dormi, je dois bien l'avouer. Simplement, mercredi à jeudi, j'ai réparé ma connexion internet qui avait merdé. Hein, voilà. Hein, donc, j'en ai eu quand même pour jusqu'à assez tard. Le jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, simplement j'ai fait le montage et merci pour les bits. Merci pour les bits. Champi, si je dis pas de bêtises. Du coup, dans la nuit donc de jeudi à vendredi, j'ai fait le montage reportage de la Japan Touch hein, qui sera diffusée en même temps que le Mangadim où je suis allé hier et le Hero Festival qui aura lieu en début mai. Au Festival de Grenoble. Ces trois reportages-là seront diffusés les lundis à la place des concerts qui, je le rappelle, se terminent à la fin du mois. En attendant d'en avoir d'autres, bien sûr. Donc, je remercie au passage les hosts de Sky, de Champy et de tous ceux que j'oublie. Hein, voilà. Donc, dans la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas du tout dormi parce que je me suis dit, bon, bah, si je me couche, c'est bon, je vais jamais me lever. Hein, je me connais, hein, je connais le bestiau. Jamais je me lèverai à l'heure. Donc, du coup, autant ne pas dormir. Et comme ça, voilà. Et merci à toi, Calice, pour le host. Donc autant ne pas dormir et puis enchaîner direct avec le manganime. Manganime d'ailleurs où je me suis fait un nouvel ami. Hein, je suis même très très fier de me faire un nouvel ami de cet acabit là. Parce que désormais on se suit hein, mutuellement sur Twitter. Il participe au concours que j'ai lancé qui se termine également à la fin du mois. Il a retweeté pas mal de mes petits tweets. Je parle bien sûr de Corinne Nemec. Corinne Nemec qu'on connaît plus particulièrement pour son rôle de Parker Lewis dans la série Parker Lewis ne perd jamais, mais également dans le rôle de Jonas Quinn dans la série Stargate SG-1, saison 6, hein, il remplace Daniel Jackson. Donc voilà, hein, Corinne Nemec, vraiment sympa le mec, super, super agréable. Voilà, donc je... Et oui, Corinne Nemec, et oui, mais oui, mais carrément, Costa, mais franchement, hier, j'ai halluciné, je fais non, bah qui retweet en fait là où je l'avais notifié, hein, puisque j'avais mis la photo sur Twitter, je veux bien, c'est normal, c'est limite classique, ouais, c'est limite classique, mais franchement, qui participe au concours là, franchement, ça m'a mis une claque, là, je fais non, c'est pas vrai, je fais non, donc voilà, bien sûr, j'ai revu, hein, mon revue. Fred, hein, entre autres, hein, alias Sparadrap de Noob, toujours aussi déjanté, hein, toujours aussi fou, hein, c'est pour ça qu'on l'aime. Ivy, hein, Johanna Fournier aussi, hein, et Philippe Cardona, que le talent me laisse pantois, hein, ne serait, enfin le talent, je parle vraiment en termes de dessinateur, hein, puisque il est quand même l'auteur de manga et de bandes dessinées, hein, comme les bandes dessinées Bloc de Gaïa, Neogicia ou la bande dessinée Noob, mais aussi auteur donc du manga Sentai School, que je vous invite bien sûr à regarder. Puis après il y avait pas mal de doubleurs aussi, de voix françaises. Qui était présent, c'était vraiment très intéressant et fortement sympathique. Et je remercie au passage d'ailleurs Jérôme Lozel pour nous avoir offert cette première édition du Manganime. Du coup, est-ce que quelqu'un veut participer? On va déjà commencer, voilà. Ah bah s'il gagne, là ça va être énorme parce que ça veut dire que j'ai son adresse. Bah oui, hein, forcément. Parce qu'il faut que j'y envoie les trucs. Hein, Donc bon, allez, conneries mises à part. Est-ce que quelqu'un veut participer? Sentai School, ouais, mais clairement, c'est un manga qui est un peu pour son sage. Ouais. Bah, en fait, c'est une école de Sentai, hein, donc de super-héros, hein, quelque part. Hein, donc ça se rapproche assez de l'univers très sensationnesque. Ah oui, bah s'il gagne, ouais. Donc voilà. Ah ouais, mais franchement, Corinne, les mecs, là, hier, sous le cul, je suis resté vraiment sur le cul, quoi. Je fais non! En plus, j'ai eu vraiment le coup de bol, quoi. Je me baladais. On est arrivé avant l'ouverture.
Donc il y avait quasiment personne. Puis je me baladais, et puis putain, je le vois qu'il arrivait, quoi. Il posait ses sacs et tout. Puis quand il a vu que j'allais le prendre en photo, il a tout lâché, il a pris la pause et tout. Après, on a discuté 5 minutes, hein, avec mon anglais déplorable. Et puis voilà. Donc, Champi, miam, mais salut, June, comment vas-tu? Eh bien, tu tombes bien, June, puisque nous cherchons des participants, hein, bien sûr. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a donc à gagner une pop Star Wars, pilote de T-Fighter. On a aussi Mister Robot Society et le comics de Spawn. Plus tout ce que je rajoute, hein, comme d'habitude, hein, des autocollants, enfin des stickers, des machins, enfin, voilà quoi. Pourquoi pas un t-shirt aussi? En ce moment, je fais pas mal de t-shirts. Costa va donc participer, il est chaud. D'ailleurs, Costa, ton colis hein, est parti donc vendredi après-midi. Tu devrais le recevoir lundi, hein, demain. Sauf si la Poste a décidé de faire la SNCF, à savoir rien. Hein, et du coup, du coup, il y a des chances que ce soit peut-être mardi. Mais sinon, ce sera demain. June participe également. Donc nous avons déjà deux participants, un troisième, pourquoi pas un petit troisième. Pourquoi pas un petit troisième. Donc j'ai rajouté des petites commandes hein, sur cet overlay, hein, vous allez voir. Ah mais oui, bien sûr, le concours Farfadé, bien entendu, avec une Clestim. Si je dis, tu me dis si je me trompe, un hein, champi. Clestim a gagné. On a ensuite le roman Bélésia en version des maths. Et je crois oublier un truc, je sais plus quoi. Ah oui, 35% sur la boutique. Farfadé, champi, bien sûr. Bien sûr. Et voilà. Et ça, c'est les farfadets. Par contre, je ne sais plus ce qu'il faut faire hein, pour pouvoir les gagner. Donc, si tu peux me le dire, mon petit champi, ce serait très intéressant. Alors, par contre, le truc, moi, qui me gêne, c'est comment ça se fait, hein, alors que tout est réglé depuis limite 2 ans, hein, et qu'il n'y a pas eu de problème, hein, sauf très rarement, d'un seul coup, il n'y a plus de son. Il a fallu que je remette sur le mixage, que je redise, ah, bah, attention, tu prends en compte les pistes, hein, mon coco, attention. Hein. Ça, faudrait que je m'y intéresse après. Alors. Comment ça veut pas gagner? Pourquoi tu veux qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux pas gagner, June? Allez, un petit troisième. Alors, je vais regarder un petit peu qui c'est qui se cache là, qui c'est qui n'ose pas. Hein, et aller titiller un petit peu, hein, leur demander. Mais qu'est-ce que, mais pourquoi, hein, qu'est-ce que vous attendez pour dire je participe? Eh bien, il n'y a personne en fufu, c'est magnifique. C'est une horreur. Ah, bon, les gens vont arriver. Je vais en profiter pour faire un peu de promo. Hein. On a fait la promo de Champy, hein, voilà. Champy d'ailleurs qui a fait une connerie, hein, a été temporairement banni pendant une seconde. Champy, pas de lien, Champy. Hein, il fallait m'y passer en MP, hein, bien sûr. Pas de lien, mon petit Champy. Eh ben oui, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Alors, demain 21h, concert, hein, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'avant-avant-dernier, hein. Avant-avant-dernier concert du lundi, et c'est encore du gaming live, hein, comme la semaine dernière, mais c'est un autre concert gaming live. Mardi, on attaque la suite hein, donc de Ciné Gaming Uncharted avec Uncharted 4. Le mardi, nous avons Uncharted que j'ai nommé 5, hein, mais c'est le nouveau là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le mercredi, et là on change de licence, le mercredi, nous arrivons sur du Star Wars The Force Unleashed. Voilà, vendredi, deuxième épisode de la série Halo, hein, qui n'a rien à voir avec Nabila, attention, je le précise quand même. Ce n'est pas du Nabila, c'est enfin des Spartans, hein, donc on est quand même très loin de Nabila, voilà.
Samedi, si je dis rien, si je dis pas de conneries, j'ai dû prévoir un truc. Samedi, oui, samedi, effectivement, samedi, il y a l'intégrale de la série Elder Scrolls, le lore, qui sera donc diffusée en début de soirée. Voilà. Et le dimanche, eh ben, le dimanche, c'est le dernier épisode, le tout dernier. Ah, sauf que si je raconte une connerie, hein, ce qui est tout à fait faisable encore, hein, je me connais. Non, mais c'est ça. C'est le dernier épisode donc du livre audio, de la série livre audio Elder Scrolls avec Sky Venild. Voilà. Et donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Sky qui remet à disposition ces épisodes. Et qui seront bien sûr également diffusés sur sa chaîne lorsqu'elle en aura envie. Voilà. Donc ça, champi a truqué le concours du coup. Hein. Eh ben c'est pas bien, c'est pas bien. Hein. Moi je ne truque pas mes concours. Hein. Je ne truque pas mes concours. Alors. Les petites pubs pour la semaine sont faites. On va maintenant un petit peu grandir hein, là-dessus. Hein. On va continuer hein, dans les prochaines semaines et prochains mois. Hein. Quitte à faire, autant continuer. Alors, puisque le Ceiling Gaming, comme je disais tout à l'heure, on a terminé Uncharted. On termine donc mardi soir. On va ensuite avoir les Star Wars The Force Unleashed 1 et 2, hein, bien sûr. Et merci Champy pour le message et le lien que je transmets de suite. Ensuite, on va retrouver plusieurs choses. Hein. Le Ciné Gaming va temporairement se transformer en série. Et comme ça, on aura une série Life is Strange de 5 épisodes. 5 épisodes également qui viendront donc compléter les Ciné Gaming sur une semaine et demie. A savoir bien sûr que les Halo comportent eux aussi 5 épisodes. Et le premier épisode a été passé vendredi dernier, donc vous en avez à peu près jusqu'à la mi-mai. Les concerts, comme je l'ai dit, les concerts se terminent en fin du mois. Enfin, on a pour le moment, hein, le temps que j'en prenne d'autres, etc., que je remette les trucs en place. Et ce sera remplacé, comme je l'ai dit au tout début d'émission, par les reportages documentaires sur les conventions. Hein. Il y en a déjà deux qui ont été diffusés. Depuis, hein, à savoir l'Avignon Geek Expo et le Japan Sud, hein, Japan Expo Sud. Donc à partir de mai, vous pardon, à partir de mai, vous allez avoir Japan Touch, Manganime et Aero Festival de Grenoble. Et après, dans l'été, il y en aura d'autres, puisque au mois de juin, je serai le 3, le 2, 3, le 2 plutôt, je serai. Ah, ça y est Donc voilà, puisque le 2 juin, je serai à Montélimar au Manga Mania. Vous allez aussi me retrouver à la Japan Expo Paris, hein, de premier week-end de juillet, où j'essaierai de vous faire quelques petites interviews de cosplayers et cosplayeuses, histoire de savoir d'où vient un petit peu cette passion du cosplay et comment ils le font, comment ils la vivent et comment ils font leur cosplay. Ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve extrêmement intéressant. Donc. Je vais poser 2-3 questions à ces cosplayers et cosplayeuses, hein, et vous aurez l'interview qui sera montée et diffusée en temps et en heure. Et tout ça, ça nous amène donc à juillet, à savoir que entre maintenant et juillet, on a aussi un QPV Event Elder Scrolls qui conclura donc l'année Elder Scrolls que j'ai lancée en juin dernier. Donc c'était logique que le 3 juin. Prochain. Question pour un viewer spécial Elder Scrolls en compagnie et co-animé d'ailleurs avec Sky Venild. La série Assassin's Creed suit son cours. Elle débutera mi-juillet. C'est juste une histoire d'enregistrement et de montage. Donc ça va relativement vite. Une fois que c'est tout fait, hein, bien sûr. Après, c'est juste assembler, mettre un générique. Donc ça va très vite. Le plus long étant de faire les vidéos. Alors, octobre,
octobre de cette année, hein, on n'est pas en 2032, octobre 2018, normalement, on devrait avoir, enfin normalement c'est sûr, c'est sûr qu'on aura, hein, question pour un viewer event animé des années 80 et 90, logiquement, sauf si le contraire se passe, hein, d'ici là, hein, sauf si on me dit, ben non, écoute, je peux pas venir. En octobre, on aura aussi Brigitte Lecourgier qui se prêtera au jeu de l'interview, hein, pour cet event qui, je le rappelle, sera co-animé avec Calice, qui, si elle n'est pas partie dormir, est toujours présente. Voilà. Donc, deux candidats actuellement. Je propose qu'on attende jusqu'à 25 pour voir si un autre candidat décide de se présenter. De se présenter au poste de joueur. Hein, Champy aura peut-être fini de manger. Hein, peut-être, peut-être. Et voudra peut-être participer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va attendre tranquillement. Donc, oui, ah oui, puisque je parlais, j'ai rajouté des petites animations, hein, à cet overlay. Vous ne les voyez pas encore, mais nous avons ceci. Voilà. Très jolie petite animation, hein, qui est fortement sympathique pour ceux qui aiment, hein, et qui auront reconnu, hein, vous allez donc voir le magnifique KO, hein, voilà, de Street Fighter. Mais pour les gagnants, vous aurez cette animation-là. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et si en plus de ça, on avait ça par-dessus, hein, qui venait. Alors, allez, on continue. C'est magique. C'est magique. Ouais, il est content. Regardez comme c'est heureux, on sent le côté festif de la connerie. En fait, il n'y a aucun côté festif, c'est juste une connerie. Hein, voilà. Donc voilà pour les petites animations, les petites nouveautés de questions pour un viewer, sachant que bien sûr que la plus grosse des nouveautés arrivera dès que j'aurai tout fait et tout mis en place, les nouvelles catégories ainsi que le nouvel horaire qui sera certainement les samedis, en tout cas pendant une période test, les samedis de 17 à 20 h. Ah, il mange et je suis juste KO. Ah, bah oui. Oh. Eh bien, on a deux participants. On va voir. Hein. On peut déjà commencer. Hein. On peut faire comme d'habitude. On commence. Et bien sûr, à la fin de la série des 5 questions que j'aurais posées à June, eh bien, s'il n'y a toujours pas de troisième, à ce moment-là, bah, ce sera pour la manche suivante. À savoir, donc, si quelqu'un veut se manifester, il a donc jusqu'à la fin des 5 questions posées à June. Pour pouvoir encore se faire connaître. Du coup, nous allons commencer. Je vous invite à me rejoindre sur Discord. Ce qui est fait, c'est parfait. On voit les connaisseurs. Je vous accorde les rôles qui vous permettent. Enfin, le rôle qui vous permet d'accéder au salon adéquat. Et je vous attends. Normalement, ça y est, hein, vous avez les rôles. Ah, ben peut-être que June, j'ai zappé. Non, c'est bon, June est là aussi. Voilà, donc Costa vient de nous rejoindre, et nous jouons aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc Costa, c'est toi qui commences, puisque tu as été le premier à vouloir participer. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir parmi les 4 qui te sont proposées? Antiquité, mythologie, cinéma, télévision, histoire et jeux vidéo. Et tu choisis cinéma, télévision. Ah, cinéma, télévision, il est en deuxième. Donc j'ai changé mes commandes, hein, donc j'ai un petit temps de latence, hein, je les connais pas encore par cœur. Voilà, on est parti si tu es prêt. Alors qu'est-ce qu'on a là comme... Ouais, ça va. On y va. Dans la web série Noob, quel membre de la guilde Noob appartenait autrefois à la guilde Justice?
avant qu'il se fasse bannir son personnage du guerrier des vieux sang. Un personnage qui avait donc un guerrier niveau 100 qui a acheté des crédits pirates à Ash le farmer chinois qui n'est pas chinois et qui s'est fait donc bannir par Judge Dead et qu'on retrouve à la tête de la guilde Noob. Il reste 2 secondes, je ne vois pas le nom. Ce n'est pas Champy. Hein. Champy, c'est la guilde Fail, lui, c'est différent. Et c'était. Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de ce personnage plus que récurrent, personnage principal quasiment de la web série Noob? Personne, un guerrier niveau 100 qui perd son personnage, qui remonte d'ailleurs un guerrier hein, et qui est à la tête de la guilde Noob. Personne là, et c'était Arthéon. Arthéon, tonton, hein, tonton Arthéon. Arthéon qui est un excellent streamer, hein, entre parenthèses. Je vous invite aussi à suivre. Jonathan Foulkade, qui donc interprète le rôle hein, d'Arthéon, est vraiment quelqu'un de fortement sympathique. On continue et on reste pour le moment dans Noob, malheureusement pour toi, Costa. Non, en plus, les questions sont un petit peu plus. Enfin, celle-là est un petit peu plus compliquée que l'autre, hein, parce qu'on n'est pas dans le personnage principal, là, on est dans les personnages secondaires. Donc, c'est encore pire. Dans la web série Noob, qui sont Ruby et Myst par rapport à Saphir? Donc, moi, je te propose de spammer, hein, Costa. C'est-à-dire que même. Eh ben oui, bah voilà, c'est ça. C'est bon, voilà, un point, bravo. Et effectivement, ce sont des sœurs. Voilà, Ruby et Myst sont les sœurs de Saphir, exactement. Premier point. On continue. Quelle actrice interprétant le rôle de Blanche de Péronne dans le film de Bernie Bonvoisin est la fille de Jane Birkin? Et oui, le spam, c'est la vie. Alors, non, Charlotte Gainsbourg ne joue pas dans Blanche, le film de Bernie Bonvoisin. Et oui, c'est l'autre. Il reste un peu moins de 5 secondes, 3 secondes exactement, 2, 1. Et c'est fini. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom de cette actrice française qui interprète le rôle de Blanche dans le film. Enfin, Blanche de Péronne, qui est dans le film Blanche, dans le film de Bernie Bonvoisin, et qui est donc, accessoirement, hein, bien sûr, la fille de Jane Birkin. Mais vraiment accessoirement. Alors, est-ce que quelqu'un a le nom de cette actrice? Est-ce que quelqu'un a le nom de cette actrice? Personne là, c'est Lou Doyon. Lou Doyon. On continue avec la quatrième question. Dans Senseiya chapitre Asgard. Ah bah oui, c'est cinéma et télévision. Donc télévision, ça inclut les séries. Hein, les séries, qu'elles soient avec des acteurs ou les séries animées, et là, effectivement, c'est Senseiya chapitre Asgard. Quel est le nom du chevalier Delta qui utilise l'attaque du cercueil d'Améthyste? Je te l'accorde avec Albéric. T'as déjà donné le prénom, donc c'est déjà ça, rien que ça, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà même très bien. Est-ce que tu as le nom? Donc je te mets quand même tes 2 points déjà, hein, parce qu'Albéric c'est. Ouais, enfin c'est presque Merguez, c'est ça. Albéric de Mégresse, effectivement. Donc 2 points,
pour toi, Costa, et on continue avec cette dernière question dans la catégorie cinéma-télévision. Et on reste dans des séries, et on va cette fois dans Stargate SG-1. Quel Tok'ra dans Stargate SG-1 devient l'hôte du père de Samantha Carter? Et salut à toi, Lema, comment vas-tu? Oui, Costa, effectivement, c'est Selmac. Bien joué à toi. Et oui, donc 3 points pour toi, Costa. Donc je rappelle bien sûr que pour participer, il y a encore une place de disponible sur cette manche et que vous avez jusqu'à la fin des 5 questions posées à June pour pouvoir vous faire connaître. June, d'ailleurs, qui va très vite hein, nous donner sa catégorie de questions dans laquelle elle veut être interrogée. Donc June, c'est à toi quelle catégorie de questions veux-tu parmi les 3 qu'il te reste? Bah écoute, ça va, les mains tranquillement, ça va, on fait aller. Pas mal de petites choses hein, qui vont arriver ici, sur Twitch. Donc c'est parfait. Ma chaîne se transforme tout doucement en télé. C'est à peu près ce que je voulais. Ça commence tout doucement. Le programme s'étoffe. Et June choisit donc la catégorie Histoire. Ce qui est, pardon, qui est une très bonne catégorie. Sauf si les questions sont des questions dégueulasses. Donc je vais voir ça de suite. Oh, ça va. Alors par contre c'est horrible, hein. J'en ai absolument plein la gorge, plus que d'habitude, c'est encore pire que... Voilà. Voilà. Et oui, plein la gorge, oui je sais c'est très ambigu, mais rien à voir avec ce que tu penses. Est-ce que tu es prête? Allez. Dans ce cas, on y va. Première question dans la catégorie histoire. Quel roi d'Angleterre, frère d'Édouard IV, a donné son nom à un drame écrit par William Shakespeare entre 1592 et 1593? Oui, je crois hein, que c'est Champy qui a fourni le petit déjeu. Ouais. Il y a des chances. Je l'ai reçu en chronopost hier, hein, bien sûr. Donc pièce de William Shakespeare, hein, qui parle d'un roi d'Angleterre, donc il n'en a pas fait 50 millions, très clairement, hein, parce que beaucoup se passe en dehors de l'Angleterre elle-même. Où il y a des rois, en tout cas. Et pas de bonne réponse, là, dis donc. Ben alors, June. Ben alors. Un cheval, mon royaume pour un cheval, disait-il dans cette pièce de Shakespeare. Ce bon vieux roi. Un cheval, mon royaume pour un cheval. Qui dit cette réplique dans la pièce de William Shakespeare, qui porte d'ailleurs le nom hein, du personnage qu'on cherche. C'est bien pour ça que je ne dis pas le nom de la pièce. Et c'est... Richard III. Richard III, hein, un cheval, mon royaume pour un cheval. Voilà. Donc pas de point pour cette première question. Oui, bah ouais, mais enfin bon, c'est pas une fête d'hier, c'est surtout que c'est hyper connu. Hein. Le truc s'est repris dans énormément de séries, de films, etc. Hein, le coup du cheval, le bon royaume pour un cheval. Non, non, ce n'était pas le roi Lear, hein, ni Macbeth, c'était effectivement Richard III, Champy. Je dois avoir un décalage horrible hein, pour que Champy. Voilà. On continue. À quel peintre français doit-on la toile La liberté guidant le peuple en 1830? Grand peintre français.
qui représente la Marianne, hein, alias la liberté, hein, dans le truc, et qui nous fait la liberté guidant le peuple, hein, un magnifique tableau de 1830. Et oui, il y a la bonne réponse qui vient d'apparaître. Si June nous fait un copier-coller dans les 10 secondes qui suivent, elle l'a, c'est effectivement Eugène Delacroix. Premier point pour toi, June. Eugène Delacroix, d'ailleurs, est un très grand peintre français. Par contre, il ne fait pas, hein, il n'a jamais fait d'impressionnisme, hein, attention, ni d'expressionnisme. On est dans la peinture classique avec Eugène Delacroix. On continue. À quelle date l'Allemagne nazie envahit-elle la Pologne? Alors, soit la date exacte, un jour, mois, année, ou au moins l'année, c'est tout ce que je demande. Donc, en quelle année, hein, la Pologne se fait botter le cul en 3 jours? Oui, parce que c'est quand même 3 jours de guerre. Hein, en même temps, des panzers contre une bande de connards qui sont montés sur des chevaux, c'est normal que ça ne dure pas éternellement. Effectivement, c'est donc le 1er septembre 1939 que l'Allemagne défonce, c'est le mot juste, hein, elle défonce la Pologne en 3 jours. Alors là, vous commencez à rire, ouais, 3 jours, c'est des connards, machin. Enfin, c'est des guignols. On a fait que 7 jours de mieux. Hein, donc on devrait peut-être fermer notre gueule quand même. La France, c'est 10 jours. Hein. Donc, deuxième point pour toi, June. Ah, l'EMA arrive en troisième, c'est parfait. L'EMA arrive en troisième, magnifique. Du coup, bah, l'EMA, je t'invite à venir sur mon Discord. Donc, tu vas le trouver soit dans la totalité des liens, là, ça traîne là au milieu, hein, quelque part, hein, je crois, hein, de mémoire. Hein, ouais, Discord, voilà, on est tout à la fin. Sauf si apparemment la brutille le coupe. Alors attends. Sinon il est en bas, il est dans les infos de la chaîne. Tu peux le retrouver dans les infos de la chaîne. Il suffit de cliquer sur l'image Discord. Et salut à toi Krug, comment vas-tu? Tu as pas lu ma connerie. Alors attends, qu'est-ce que Champy a dit? Qu'est-ce que Champy a raconté? Je préfère Louis Delacroix, hein, V-Bâton. Ah oui, Louis Delacroix, V-Bâton, bien sûr, très connu, oui. Très très connu, Louis Delacroix, V-Bâton. Trop mangé. Ah, trop mangé, Krug. On continue avec cette quatrième question. June, tu as 2 points pour le moment. Qui était le ministre de la propagande nazi, enfin du Troisième Reich? Alors, comme je l'ai dit déjà, hein, et je le redis encore, ce mec-là, le gars qu'on cherche, certes, c'est un enculé, hein, on est bien d'accord, mais c'est un génie en matière de com. Et oui, c'est effectivement, y a la bonne réponse qui vient d'apparaître, c'est un certain Joseph, tout à fait, oui, Joseph, d'où le nom a été donné en premier par Krug, suivi par... par Costa, et oui, c'est Joseph Goebbels, troisième point... Pour toi, June, pour cette quatrième question. Eh bien, dis donc, June, à part Richard III où t'as séché, pour le moment, c'est pas mal. Il te reste une question. Du coup, Lema, est-ce que tu as trouvé Discord? Ah bah l'histoire c'est super intéressant. Puis c'est marrant aussi, c'est surtout ça. Non seulement c'est marrant, mais il faut être capable de la rendre marrante. Du coup, est-ce que j'ai encore cette commande là? Ah oui, tu es dessus, très bien. Donc si tu es dessus, où te caches-tu? Ah, voilà, t'es là. Donc je te passe le rôle. Voilà, normalement tu vas pouvoir accéder au salon QPV, c'est en off. Voilà. Alors, dernière question pour toi, June. Peut-être feras-tu un 4 points. Qui succéda en tant que premier ministre à Neville Chamberlain en 1940? Et salut à toi, Lema, est-ce que tu m'entends bien? Donc, tu réponds sur Twitch, bien sûr.
Qui succède en 1940 à Neville Chamberlain? Ah bah nickel. Paul? Non, ah non, c'est pas Paul. Ce n'est pas Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas... Ah non, c'est pas Renault. Non, non, c'est pas Renault. Neville Chamberlain est un Anglais, je le dis comme ça. Et le timer est arrivé à zéro, qui donc succéda à Neville Chamberlain en tant que Premier ministre britannique en 1940. Juste avant le Blitz, et oui, c'est le Winston. C'est le bon Winston. Malheureusement, tu ne fais pas de points sur cette question-là, puisque le timer est arrivé à son terme. Donc 3 points également pour toi, June. Ce qui est très bien joué. Bravo. Et c'est au tour de Mister Lema. Quelle catégorie de questions va-t-il choisir? Vous allez le savoir de suite. Il lui reste antiquité, mythologie ou jeux vidéo et il prend jeux vidéo. Est-ce que tu es prêt avec la catégorie jeux vidéo? Donc on va y aller. On va y aller. Je regarde un petit peu ce que tu peux avoir comme question. Donc on a des questions de bonne salope hein, et d'autres... Non, ça va, ça va, ça va. C'est pas... Voilà. Enfin, il y en a, ça devrait aller. Quel est le nom du super vilain récurrent dans les épisodes de Crash Bandicoot? Quel est le nom du super vilain récurrent dans les épisodes de Crash Bandicoot? Donc on répond hein, sur Twitch, hein, bien sûr. Et tu as encore 10 secondes. Donc c'est un docteur. Hein, un peu comme Minus, d'ailleurs. Mais c'est un docteur. Krug a donné la bonne réponse. Tu as 2 secondes pour faire copier-coller. Et non. Et oui, sur le fil, effectivement. Putain, j'avais pas vu. Sur le fil, à 1 seconde. Ouais. Docteur, donc, Cortex. Exactement, le nom exact est Néocortex. Mais je l'accorde. On continue. Combien de colosses le héros de Shadow of the Colossus doit-il combattre? Un peu plus. Donc là, c'est du spam, hein, tu peux y aller. Encore un petit peu plus. 16, c'est bon, 2 points. Effectivement, 16 colosses, le héros de Shadow of Colossus doit se taper, comme quoi il y a des gens qui ont que ça à foutre dans leur vie, hein, bien sûr. Et non, Heidenken, j'aime beaucoup ton... Ou Kane, j'aime beaucoup, ça fait un peu Heineken, j'aime bien. J'aime bien. Et bienvenue à toi en tout cas, Heidenken. Bienvenue à toi sur Question pour un viewer, j'espère que tu pourras et tu voudras bien sûr participer à la manche qui suivante. Pour au moins hein, espérer arriver en finale et gagner une clé Steam, pourquoi pas. On continue avec cette troisième question. Dans Zelda Breath of the Wild, combien y a-t-il de sanctuaires? Alors en sanctuaire, tu peux monter, hein, c'est pas 7, tu peux y aller, hein, là tu peux grimper encore. Oula, tu peux encore, encore, encore. Ah, on n'est pas loin. Ouais, June a donné la bonne réponse. Si tu fais copier-coller, c'est bon. Enfin, si tu répètes, c'est bon. Voilà, 123 points pour l'Emma. Et qui fait pour le moment un sans faute. Et on continue toujours dans Zelda Breath of the Wild. Combien de noix de Korogu, ou Korogu, hein, suivant comment on francise ou pas hein, le nom, faut-il récolter dans le jeu? Combien de noix de Korogu faut-il récolter dans le jeu Zelda Breath of the Wild? Donc là, c'est pareil, hein, tu peux y aller, faut spammer, allez, tu peux encore grimper, vas-y. 250. June a donné la bonne réponse. Je vois que June est effectivement une professionnelle, hein, réellement une professionnelle de Zelda. Et ce qui permet d'ailleurs à l'Emma de les dépasser Costa elle, ce qui est bah c'est fair play, c'est très bien, mais c'est quand même ouais, c'est vrai, ouais, non, après je vais être insultant. Non, je déconne. Dernière question dans la catégorie jeux vidéo pour l'Emma. Dans Overwatch, quel est le nom de code de Ana?
Merci pour le follow, Krug. Donc, dans Overwatch, quel est le nom de code de Ana? Donc, par exemple, hein, Tekarta, son nom de code, c'est Zenyatta. Hein, voilà. Jack, son nom de code, c'est Soldat76. Et là, on veut donc le nom de code de Ana. Donc, faut citer un personnage. Voilà. Donc, ce n'est pas... Eh ben, ce n'est pas Ange. Et là... Ce n'est pas Ange du tout. Alors, est-ce que quelqu'un a la bonne réponse? Nom de code de Ana dans Overwatch. Et oui, ce n'est pas Ange, oui. Et c'est... Personne là, c'est Diva. Alors, mes sources sont fiables. Hein, donc, à moins qu'ils aient changé les noms des personnages hein, entre le moment où j'ai fait les fiches et maintenant. Mais sinon, mes sources sont fiables. Et oui, c'est Diva. Donc, 4 points. Et c'est donc les... Et voilà, merci, merci pour le follow. Mon bot qui démarre un petit peu en retard. Donc, 4 points. Lema, tu accèdes donc à la finale. Donc déjà, tu es assuré de repartir avec une clé Steam. On remet les scores à 0. Toc, toc, toc. Est-ce que quelqu'un... Costa, June, est-ce que vous voulez retenter votre chance? Donc June me dit oui. June dit oui, je vais retenter ma chance. Je veux avoir au moins un jeu. Je rappelle que d'ailleurs le gagnant aujourd'hui repart avec une pop Star Wars d'un pilote T-Fighter, repart avec Mr. Robot Society et le comics de Spawn, plus tout ce que je peux rajouter par-dessus comme d'habitude. Donc est-ce que vous voulez participer? Allez, Costa, c'est pareil. Il retente. Donc, il reste une place. Krug. Putain, j'allais dire Heineken, malheureux. Merde. Avec ma connerie, du coup, je me perds, moi. Excuse-moi. En tout cas, de bouffer ton pseudo comme ça. Vraiment désolé. Allez, Krug. Donc, Krook, pour participer, puisque c'est la première fois que tu viens, il faut aller sur Discord. Donc, tu peux descendre dans les informations de la chaîne. Tu vas avoir un gros panneau Discord. Il suffit de cliquer dessus. Je t'accorde ensuite les rôles qui te permettent d'accéder au salon adéquat. Et on répond sur Twitch, comme tu l'as vu lors de la manche précédente. Autrement, voilà, là il y a un truc Discord, malheureusement ce connard de bot me le cache à moitié. Allez, les bots c'est plus que c'était. C'est vraiment plus que c'était des bots, hein. C'est une bande de savates quoi, c'est n'importe quoi. Ah, c'est possible que... Ouais, parce que Krug a donné une très très bonne réponse sur la manche précédente. C'est tout à fait possible que cette fois-ci, ce soit lui qui vous démonte. Mais en même temps, je fais juste remarquer hein, pour le challenge que toi, Costa, tu es quand même le dernier champion en date. Hein, c'est quand même toi le dernier à avoir remporté le jeu. D'ailleurs, ton colis, je le répète, est parti vendredi hein, avec tout ce que tu avais gagné. J'ai comme d'habitude, j'ai rajouté des trucs. Hein. Voilà. Je commence à connaître le truc. Ah, Heartlaker à vif. Très très bonne série, Heartlaker à vif, effectivement. Ah, ça a bercé mon adolescence, ça, Heartlaker à vif. Très bonne série. Ah, d'ailleurs, on voit Simon Baker dedans, hein, je crois. Je me semble que dans la saison 3 ou 4, je sais plus. Il y a Simon Baker hein, qui fait une apparition. Il joue prof de littérature, je crois. Ou de cuisine, même. Je sais plus ce qu'il faisait là-dedans. Je sais plus quel rôle de merde il avait là-dedans. Moi, je crois que c'était de la cuisine. Il apprenait aux mecs à faire de la cuisine, si je dis pas de conneries. Ou alors aux filles à faire de la mécanique, je sais plus. Enfin, voilà. Tu as fait toutes mes images de pub pour mes streams et tu m'as. Une seule question sur le jeu que j'ai pu faire. Eh oui, bah oui. Eh oui, navré. Navré, il est mort. Mais bon, t'es quand même arrivé en finale. C'est déjà pas mal. C'est bien, c'est bien. Déjà, tu repars avec un jeu. De sûr, t'as un jeu. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, hein, même si tu perds la finale, tu repars avec un jeu. Parce que vu les questions que je pose en finale, j'estime que tout le monde a le droit de repartir avec un truc, quoi. Parce que, voilà. Là, si vous trouvez les questions difficiles, imaginez un petit peu ce que ça va être en finale.
Eh ben, puisque tu parles... Ouais, voilà, par exemple, du Quetzalcoatl. Bah, puisque tu parles de Assassin's Creed, sache qu'à partir de la mi-juillet, avec Skyvenilde, on va diffuser une série. Hein, une série livre audio sur Assassin's Creed. Donc, Krug, je te passe le rôle qui va te permettre d'accéder au salon QPV en off. Voilà, bienvenue à toi, est-ce que tu m'entends bien? Donc ouais, livre audio en série, hein. Pour le moment on a un épisode 2 qui est complètement bouclé, un autre qui est en cours, et je pense que ce sera une série de 3, voire peut-être 4 épisodes maximum, sachant que c'est quand même Sky qui se fait les 3 quarts, on va dire qu'elle se fait quand même 98,8% ou même 99,5% du boulot. Moi je mets un générique que j'ai monté bien avant, hein. Je mets un générique, j'assemble avec ce qu'elle a fait, et voilà, hein, je fais le plus facile moi. Au final, je fais le plus simple, donc vraiment tous les lauriers lui reviennent encore une fois. Comme la série Livre Audio Elder Scrolls, tous les lauriers lui reviennent à elle plus qu'à moi d'ailleurs. Hein. Du coup, on a nos trois participants sont présents. Et non, c'est même pas une histoire de profiter de quoi que ce soit, hein. C'est un partage équitable pour le coup. Donc on y va. June, c'est toi qui commences cette fois-ci. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir parmi les quatre qui te sont proposées? Antiquité, mythologie, cinéma, télévision, histoire ou jeux vidéo? Et June hésite. Elle hésite. Quelle catégorie va-t-elle choisir? Elle hésite, elle hésite. Va-t-elle prendre une catégorie qui n'existe pas encore? Ou va-t-elle opter pour une catégorie qui existe? Parce que je peux faire, hein, là, à l'arrache, une catégorie Jackie et Michel, hein, s'il y a besoin. Hein. Non, je déconne. Hein, voilà, ou actrice porno des origines à nos jours. Hein. Ça peut se faire. Hein. Allez, jeux vidéo pour June. Jeux vidéo. Ah mais ça les, je pense que bon après faudra pas vous attendre à du salace hein, très clairement. Mais actrice et acteur porno, enfin de hard, des origines à maintenant, enfin des origines en tout cas du cinéma, hein, pas remonter sur les photos de 1815, hein, ça c'est ridicule. Mais voilà, dans le style Brigitte Lahaie, machin, voilà, ça c'est possible. Ça c'est possible, hein, c'est que ça vienne un jour en catégorie surprise, qui je le rappelle sera une catégorie que je placerai aléatoirement pour remplacer l'une des quatre présentes actuellement. Et ça tournera au fur et à mesure. Enculator! Le Bitator! Hein, le Bitator est un monstre géant de 30 mètres de haut, hein, avec 15 sexes, et il exterminera la race humaine en 3 jours! Allez, on y va dans la catégorie jeux vidéo, en les enculant à mort, hein, bien sûr. Allez, on y va. Jeux vidéo, en quelle année la PlayStation de Sony arrive-t-elle au Japon? Très facile, très facile. Sachant qu'elle arrive en Europe en 95, elle n'est pas arrivée au Japon en 95. Krug a la bonne réponse. June va-t-elle faire un copier-coller dans les 15 secondes qui lui restent? Et oui, elle a fait un copier-coller dans les 15 secondes qui lui restent. Ce qui lui permet donc de marquer son premier point pour cette deuxième manche. En 1985, cette fois, la Famicom arrive aux USA et en Europe. Quel nom prend-elle? Donc Famicom, la Family Computer, qui est donc la première console de Nintendo, hein, console de salon de Nintendo, arrive en Europe et porte effectivement le nom de Nintendo Entertainment System, alias NES. Deuxième point pour June. On continue. Comment se nomme l'héroïne de Mirror's Edge? Avec mon magnifique accent dégueulasse. Ah bah Krug non si tu veux si tu veux donner les réponses t'as le droit hein. C'est juste que là c'est June qui marque les points. Donc comment se nomme l'héroïne de Mirror Edge?
Mirror's Edge, pardon, mon accent pourri. T'as encore 10 secondes, John. Pas de bonne réponse pour cette question. Est-ce que quelqu'un a le nom donc de ce personnage principal de Mirror's Edge? Du personnage principal de Mirror's Edge. Là, par contre, on peut donner les réponses, hein. Il y a la viewer qui est en route. Là, c'est fait exprès. Donc c'est le nom, hein, c'est le nom du le nom que porte ce personnage principal est également le nom que porte la Elisa Dushku dans la série Buffy. Pour ceux qui sont fans ou qui ont vu la série. Et oui, June, effectivement, c'est donc Faith. Très bien, vrai. Donc pas de points, hein, puisqu'on est en dehors du timer. Dans Final Fantasy X, de qui est le priant que Tidus voit en rêve au début? Donc déjà, je ne vous cache pas que, n'ayant jamais été un grand fan de Final Fantasy, la question me fait mal à la tête. Bah oui et non, hein, parce que c'est un personnage qui est certainement le grand méchant, si je dis pas de conneries, de Final Fantasy. Donc au final, non, c'est pas vraiment une question hardcore. Il reste 5 secondes, June. Pas de points. Donc ce n'est pas Zaon ou Zan, hein, suivant comment on prononce ça. Personne là, c'est Bahamut. Bahamut. Ou Bahamut. Hein, C'est mon double en fait. Il aime pas FF Squeezie. Ah bah oui, man. Ne me tente pas. Hein. Ne me fais pas parler de Squeezie. Attention. Surtout pas. Un Squeezie que j'associe d'ailleurs. Que j'associe intellectuellement à un Nabila. Hein, voilà. J'en dirai pas plus. Dernière question pour toi, June. En 1986, la marque 3 de Sega change de nom. Lequel est-il? Comment s'appelle à partir de 86 la marque 3 de Sega? La marque MARK, hein, 3 de Sega. Est une des premières consoles de Sega. Hein. La bonne réponse est donnée, la bonne réponse est donnée, effectivement. June, tu as 10 secondes pour faire un copier-coller. Et oui, et bien joué, effectivement, c'est la Sega Master System 3 points pour toi, June. 3 points pour toi, June. Bien joué. Je remets le score à 0. Et c'est à Costa. C'est au tour de Costa. Quelle catégorie de questions, Costa, veux-tu choisir? Quelle catégorie de questions veux-tu choisir, Costa? Il t'en reste plus que 3 et Costa va choisir ciné, télévision. Cinéma et télévision. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir comme question? Alors, c'est peut-être un bon point pour toi, tu n'as pas de noob dedans. Hein? Par contre, tu as des trucs qui sont quand même très très variés. Donc, à voir, à voir. On y va si tu es prêt. Si tu es prêt, on va pouvoir commencer cette série de questions. Et on a donc cinéma. Dans le film Re de Alain Chabat, hein, je rappelle, ouais. Sorti en 2004. Quels sont les noms des deux tribus qui sont en conflit pour avoir le shampoing? Oui, parce que effectivement, dans le scénario, hein, le conflit entre les deux grands clans, hein, c'est une histoire de shampoing. Hein, donc, c'est pas du Spielberg, hein, mais ça, c'est certainement plus culte que le Spielberg. Et effectivement, grâce à Krug, Costa marque son premier point puisque c'est donc la tribu des cheveux propres et des cheveux sales. Là, encore une fois, scénaristiquement, on n'est pas allé chercher très loin aussi.
les cheveux propres, hein, donc avec des gens qui s'appellent Pierre, hein, partout, hein, voilà. Et les cheveux sales, hein, avec Jean Rochefort notamment, hein, qui s'auto-kidnappe et s'auto-mutile, hein, pour, voilà, ce qui est très con en soi. Et, Gérard Depardieu, bien sûr, et qui s'appelle Guy. Hein, eux, c'est Guy. Guy. Bonjour, Guy. On continue. Dans quelle série américaine de 2005 à 2009 peut-on entendre dans la version française du générique ce qui suit? Je n'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Et on a la bonne réponse qui vient d'apparaître. Est-ce que Costa va... Merci Costa d'avoir fait ce copier-coller de Krug qui donne encore une fois la très bonne réponse qui est Prison Break. Et oui, ce sont des scénarios, pour revenir à Re, comme tu dis, c'est un scénario écrit par Squeezie. Ou par un enfant de 5 ans, on ne sait pas. Hein, de toute façon, l'un et l'autre, c'est la même chose, donc voilà. Quelle série télé à la fin des années 70 met en scène un duo de policiers incarné par Paul Michael Glazer pardon, et David Saul? La bonne réponse hein, également. Merci Krug, la bonne réponse. Krug est super sympa, j'adore. Il donne la réponse à tout le monde. Malheureusement, il y a très peu de personnes qui vont lui donner la réponse. Et oui, c'est Starsky et Hutch. Série culte également, hein, Starsky et Hutch. On continue avec la quatrième question. En 2005, quel duo de personnages retrouve-t-on à l'affiche du film d'animation sous-titré Le mystère du lapin-garou? Le mystère du lapin-garou. Film d'animation. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. J'aime bien le principe. C'est de la pâte à modeler, hein. C'est du travail image par image. C'est là qu'on se dit, putain, c'est des fous, les mecs qui font ça. Mais c'est image par image, et c'est... Voilà, c'est Gromit. Tout à fait. 4 points pour toi, Costa. Voilà, c'est Gromit. Et... Ah, mais t'as faim sans faute, là, pour le moment? Est-ce que cette dernière question va te permettre de faire le sans faute, le grand chelem, 5 questions à la suite? On va voir quel acteur interprète le rôle de Voldemort dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et même après d'ailleurs. Quel est le nom de l'acteur qui incarne Voldemort? Très grand acteur également qu'on retrouve dans la liste de Schindler, dans Coriolanus aussi. Très très grand monsieur du cinéma. Donc ce n'est pas François... Oui, enfin, ça c'est les trucs animatroniques, oui. Et je crois que, voilà, je crois que 4 points, ça sera déjà pas mal. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de cet acteur américain? Je crois même qu'il est d'origine britannique, mais ça c'est... Oui, effectivement, John. Ralph Fiennes, très grand monsieur. Très, très grand monsieur. Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, hein, suivant comment on prononce, hein, parce que moi j'ai un anglais déplorable. Voilà, donc 4 points pour Costa, ce qui est très bien joué. On remet tout à zéro. Voilà, hein, on enlève les... Ah bah non, les petites croix, elles sont là encore, les petites croix, je suis con. Ah mon Dieu, mon Dieu. On remet le score à zéro et c'est à toi, Krug. Quelle catégorie de questions vas-tu choisir parmi les deux qui te restent? Antiquité, mythologie ou histoire? Antiquité, mythologie. Voilà, ça c'est très bien. C'est une très bonne catégorie de questions qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas toujours difficile. C'est très très bien que tu choisisses cette catégorie de questions-là. Est-ce que tu es prêt? Bon, après, je te cache pas qu'il peut y avoir des questions dégueulasses, hein. En même temps, même dans les jeux vidéo. On y va. Quelle divinité romaine donnant son nom à un tableau du Caravage en 1597 est un fils de Jupiter à qui on attribue une couronne de lierre? Très facile aussi, celle-là. Un dieu romain avec du lierre. Ouais, pinard. Hein, petit indice, hein, pinard, fête du pinard, sex and drugs. Oui, oui, c'est Bacchus. Effectivement, Bacchus. Bacchus,
dont on célèbre bientôt hein, les Baïkanal, puisque c'est le 23 avril hein, qu'il est autorisé de se torcher la gueule. On continue mythologie maintenant. Dans la mythologie nordique, quel est le nom des jeunes filles blondes coiffées d'un casque hein, qui chevauchent Et oui, les Valkyries, deuxième point pour toi, Krug, très bien joué. Des Valkyries à ne pas confondre hein, avec le baron von Stauffenberg, hein, qui a déclenché l'opération Valkyrie pour essayer d'assassiner Hitler. Hein. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui aussi, oui, ah bah certainement, hein, enfin bref. On continue, qu'appelait-on la dodécapole étrusque? Dodécapole étrusque. Qu'est-ce que c'est que la dodécapole étrusque? Oui. Oui, bah c'était ça le plus important, effectivement. Troisième point, donc la dodécapole étrusque, c'est le rassemblement des 12 cités-états. Ah mais merde! Ah mince, c'est Costa qui a donné la réponse, j'ai pas vu. Ah mince. J'annule la question. Ah non, j'annule la question du coup. Ah oui, bah oui. Ah non, mais je sais pas. J'ai vu la réponse, je fais, c'est bon, il a donné la réponse. En fait, c'était pas toi, Krug, c'était Costa. J'ai vu après comme un con. Hein, je dois encore avoir la tête dans le cul, moi. Du coup, on va continuer. Quel grec de l'Antiquité est considéré comme étant le père de l'histoire? Premier historien de l'histoire, qui est assez con dit comme ça. Alors ce n'est pas Ésope. Non, c'est un mec beaucoup plus connu aussi pour d'autres choses d'ailleurs. Et GG pour les levels là. Alors Cicéron, c'est romain. Marcus Tullius Cicéron, il n'est pas historien, il est avocat de base, hein, de formation, il est avocat, il a même plaidé pour une quinzaine d'affaires, un peu plus je crois. Et Costa donne la bonne réponse, copier-coller, oui, très bien joué Krug, copier-coller. Donc troisième point pour toi Krug. Effectivement c'est Hérodote qui est considéré comme étant le père de l'histoire. Donc il reste deux questions du coup, hein, puisque j'ai annulé la précédente. Quel est le nom de la place centrale d'une cité romaine? Là aussi, c'est très facile. En mythologie, c'est mieux qu'antiquité. Et oui, c'est le forum. Très bonne réponse. Forum hein, qui pouvait d'ailleurs être au nombre infini, limite, hein, suivant la taille de la ville. Mais voilà, ne serait-ce qu'à Rome, il y avait, je crois qu'on. Bah, chaque empereur avait un forum, hein, plus ou moins, et il y en avait déjà avant, hein, donc, avant l'ère impériale. Donc, je sais pas, il doit y avoir quelque chose comme une trentaine de forums, à peu près. Même question, mais pour les Grecs. Quel est le nom de la place centrale d'une cité grecque? Et là, on a un tac au tac, et c'est le sans faute. Bravo, Krug. Bravo, sans faute, sur Antiquité Mythologie, comme quoi les questions Antiquité Mythologie, le titre fait peur, mais les questions un petit peu moins. Donc bravo à toi Krug, tu marques 5 points et tu accèdes donc à la finale, puisque tu écrases, hein, tu écrases simplement les deux autres. Alors faut peut-être que je marque quand même correctement ton pseudo, ça pourrait être... Je refais la même connerie, c'est magnifique. Voilà, je sais plus... Ouais, il y a un G de U. Voilà. Un G de U. Très bien. On remet cette fois-ci les scores à 0. Ouais. Hop. On remet tout à 0. Et on commence cette troisième manche. Est-ce que quelqu'un veut participer? Bien entendu, Krug, tu restes à disposition. Puisque tu as la finale. Non, c'est moi qui sais pas lire, faut pas chercher. Donc Costa repasse en première position, Costa retente. Est-ce que June va retenter également? Pourquoi pas? Est-ce que d'autres participants, d'autres viewers ont envie de tenter leur chance d'accéder à la finale, ne serait-ce que pour gagner une clé? Il reste encore une place pour pouvoir gagner une clé. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu. Ouais. Donc il reste deux places, du coup, deux places. T'as enlevé le tréma sur le U. Ah oui.
Donc deux places. Allez, champi. Il reste une place pour la troisième et dernière manche. Alors champi, où te caches-tu, mon petit champi? Il est là. Hop. Je te donne le rôle. Voilà. Bah en fait là, Krook, ce qui se passe, c'est qu'on vient de terminer la seconde manche. Pour avoir trois finalistes, il faut trois manches. Donc là, comment on va? Je suis en train de faire en sorte qu'on ait les trois personnes qui puissent, au moins deux, qui puissent participer à cette troisième manche, ce qui donnera donc, en fonction de celui qui marquera le plus de points. Salut à toi, Champy, est-ce que tu m'entends bien? Donc, fera, en fonction de celui qui aura le plus de points, le troisième et dernier finaliste. Et ensuite, on fait notre finale, où là, c'est tout le monde, c'est chacun pour soi. Hein. Tout le monde répond en même temps. Voilà, c'est le premier qui fait 5 points qui remporte. Ah, bah, je sais pas, moi, on me dit, je veux pas, machin, June, alors, June, bah voilà, on a nos trois. Oui, bah oui. Bah June en fait passe avant Champy, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Oui, parce que c'est quand même important, hein, l'ordre dans lequel. Ça donne le choix quand même à plus de questions. Donc c'est un limite important. Donc, c'est. Si vous êtes prêts, hein, mesdames et messieurs, hein, c'est donc Costa qui va commencer. Un en June. Enfin, June en 1, pas un en June. Enfin, quoi que ça marche aussi. Mais c'est pas pareil. C'est un peu plus dégueulasse. Voilà, très bien. Donc nous avons nos trois participants et on va donc commencer. June, c'est toi qui ouvre les hostilités avec la catégorie de questions dans laquelle tu souhaites être interrogé pour cette troisième et dernière manche avant la finale. Alors, oui, ça a été laborieux, hein, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, j'ai encore un peu de manque de sommeil. Ouais. Ça doit, on va dire que c'est ça. On va dire que c'est ça. Et salut Walmart, hein, kid, comment vas-tu? Et oui, tu as manqué le début, malheureusement, tu as manqué le début, et là tu arrives à la fin des trois manches. Donc, sauf si l'un d'entre June, Costa et Champy se désiste, hein, bien sûr, il n'y a plus de possibilité de participer actuellement. Et oui. Bah après, oui. Bah, si Walmart veut participer à ce moment-là, il n'y a plus de place, hein, donc il faut que l'un de vous trois se désiste, malheureusement. Moi, ça me pose pas de problème, hein. Et salut à toi Nicop35, comment vas-tu? Ah bah de toute façon Walmart, tu auras les replays sur YouTube et sur mon site. Hein. Enfin, de toute façon c'est YouTube aussi. Voilà, le site qui doit traîner aussi quelque part là-dedans. Et YouTube aussi. Voilà. Ou peut-être pas. Hein, le site c'est peut-être un truc à part. Je sais plus les commandes que j'ai. Moi c'est un truc de grand malade. Ouais non donc ouais, c'est bien là-dedans. Par contre il est con comme un manche à balai ce machin. Il m'a pas tout mis. Il faut que je refasse mes commandes. Bref. Donc on y va. June c'est donc à toi. Hein. Quelle catégorie de questions veux-tu choisir? Eh ben histoire. Voilà parfait. C'est vrai que June est très forte en histoire. Je le confirme. Histoire. Alors qu'est-ce que tu as comme question? Ouais, c'est oui, ça va être comique. Alors, première question, est-ce que tu es prête? Mais non, pas Rip. Mais non, mais non. Enfin, c'est surtout la dernière qui peut être rigolote. Durant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce que surnommait-on la grosse Bertha? Donc ce n'était pas hein, un ersatz de Bianca Castafiore, bien sûr. Et il y a la bonne réponse qui vient d'apparaître. Effectivement, c'est un canon allemand, hein, plus exactement.
Donc June marque son premier point. Canon allemand qui était... alors je n'ai plus exactement la taille des obus qui étaient capables de lancer hein, ce connard-là. Mais ça, on pouvait... Du 420, voilà, merci Krug. On pouvait atteindre les lignes arrière ennemies hein, avec un machin comme ça. Hein. Donc quand les Allemands mettaient en place la grosse Bertha, parce qu'il peut le truc, hein, vu le machin, vous imaginez bien qu'il faisait pas du 60 coups minute, hein, faut quand même pas déconner. Mais quand ils mettaient en place hein, l'appareil, hein, les canons, en face, on se chiait dessus. Ah, bah, en face, là, on se faisait vraiment dessus. Et c'est, disons qu'on a dû se faire tellement dessus, ça a peut-être même creusé les tranchées avec un petit peu de chance, hein, en allant chercher une connerie. Et oui, le chat est notre joker. Donc un premier point pour toi, June, on continue. Quelle femme fut exécutée en 1917 en France pour espionnage? La bonne réponse vient d'apparaître. La bonne réponse est apparue. Effectivement, c'est Matahari qui se fait exécuter en 1917 après avoir été capturé par les Français pour espionnage et même contre-espionnage, hein, plus exactement. Oui! Oui, je sais. Hein, remercie ma connexion de Moldavie. Hein, ils sont très forts en Moldavie. C'est un pays qui est absolument magnifique, mais on a quand même une meilleure connexion que dans le magnifique pays qui se situe entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan, hein, que je nomme très affectueusement le Boukistan. Voilà, hein, c'est. Eh oui. Ah, malheureusement, tu ne pourras pas Walmart, c'est fait juste pour les rôles. J'attribue le rôle participant pour pouvoir. Enfin, juste pour les participants, quoi. Mais bon, ça change rien au truc. En quelle année Clovis se fit-il baptiser? Et non, j'ai dit Clovis, pas Charlemagne. Et ce n'est pas non plus en 560. Alors Clovis, pour la petite histoire, hein, c'était un païen à la base. Non, c'est pas en 535 non plus. C'était un païen. Hein, June a la bonne réponse. Effectivement, c'est 496. Donc 3 points pour toi, June. Donc le gars est païen. Hein, il veut se faire bien voir par l'Église, hein, par le Vatican. Hein. Oui, non, pas celui-là de Clovis, un plus vieux. Et du coup, il décide de se marier avec une chrétienne. Alors c'est bien sympa, hein, la nana, elle arrive et tout. Bon, elle devient quand même reine, hein, donc c'est un petit peu pour ça qu'elle fait, bah, ok, on y va. Par contre, quand elle a vu l'espèce de gros barbu dégueulasse, hein, qui s'est pas lavé depuis l'année d'avant, elle a eu quand même un petit moment de recul, hein, puis au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, écoute, t'es bien gentil, hein, mon grand. Mais tu vas te raser, hein, parce que ça pue, c'est dégueulasse, hein, il y a encore des miettes du repas de l'année dernière. Et tu vas vite te faire baptiser, hein, faut que tu deviennes un petit peu chrétien, sinon ça va pas le faire. Donc du coup, le bon Clovis, eh ben, il s'est fait baptiser, hein, pour devenir roi des Francs. Enfin, même s'il l'était déjà, mais disons qu'il était, il n'était pas baptisé. Donc voilà, hein, ça c'était l'histoire de Clovis. Ah, donc même si effectivement hein, les droits de la femme n'étaient pas aussi évolués que maintenant, n'empêche que le pépère il a vite fermé sa gueule, déjà hein, le gars c'est un conquérant, mais il ferme sa gueule quand il y a sa femme qui dit tu te rases, hein, déjà, tu pues, tu te rases, tu te laves et tu vas te faire baptiser. Ah il a pas bronché le mec, hein, direct. Ah ça filait droit. Hein. Et en 800 effectivement c'était Charlemagne. D'où provient le nom mérovingien? D'où provient le nom mérovingien? C'est la question suivante. De Mérovingie. Elle est pas mal celle-là. Du Mérou, non. Mais c'est possible. Ça aurait pu. Ah, champion, la bonne réponse. 5 secondes pour faire un copier-coller. 3, 2... 1 hein.
Et pas de copier-coller. Trop tard, John. Le zéro était déjà affiché, malheureusement. C'était pas là pour le coup, c'était pas sur le film. Mais oui, c'était Mérové, tout à fait, Mérové. On continue pour cette dernière question. Dernière question pour toi, June. Quel chant révolutionnaire, anonyme, on ne sait pas quel est le crétin qui a pondu ça, date de l'époque à laquelle Louis XVI était prisonnier au Temple? Non, c'est pas l'habitat du Dul, mais ça aurait pu. Donc une chanson un petit peu à la con, hein, enfin un petit peu, à, on va dire pas toute papayarde, mais très ancienne, hein, qu'on chante encore aujourd'hui. Malheureusement. Enfin malheureusement, non, elle est sympa en fait. Non, ce n'est pas l'oignon, hein, il est, ce n'est pas il est des nôtres. Ce n'est pas la chanson de l'oignon, ni celle du poireau d'ailleurs. Pas de bonne réponse, je ne l'ai pas vu à part l'habitat du Dul, c'est à la rigueur le seul truc qui se pourrait s'en rapprocher, même si c'est pas du tout le cas. Non, c'est la Carmagnole. La Carmagnole. Pour ceux qui connaissent. Est-ce que vous connaissez la Carmagnole, hein? Je vous la passerai pas, je ne la chanterai pas parce que je chante comme une merde. Mais voilà, c'était donc la Carmagnole. Donc on ne sait pas quel est l'abruti qui a pondu ça. Hein? Il a dû se lever un matin. Je pense que pour pondre ça, il a dû se cogner après s'être levé ou tomber, hein, et se cogner la tête. Et ensuite, bah, là où d'autres vont inventer, hein, la machine à voyager dans le temps, hein, en se cognant sur la cuvette des chiottes, d'autres vont pondre une chanson. Hein, chacun ses loisirs. On continue, c'est à toi Costa, quelle catégorie de questions vas-tu choisir parmi les trois qu'il te reste? Antiquité, mythologie, cinéma, télévision ou jeux vidéo? Ciné-télé pour Costa. Est-ce que tu es prêt avec cinéma et télévision? Ah, j'espère. Alors, déjà, j'espère que ça va passer. Donc, la première question est une question, hein, vidéo. Donc, comme c'est d'où ma réflexion, j'espère que ça va passer. En tout cas, au niveau du son, hein. Donc, il va falloir déjà que je vérifie ça. Donc, là, voilà. Normalement, vous n'avez rien entendu, c'est normal. Il faut que je remette mon truc en route. Donc, la question qui correspond, c'est ça. Enfin, si ça remarche, hein, bien sûr. You, petit, petit, où te caches-tu, mon enfant? Ça fait très curé quand même. Enfin, j'avoue que ça fait très, très curé, ce que je viens de dire, mais. Voilà, je vais aller là. Je vais pas m'emmerder, je vais aller la rechercher directement. Voilà. Là, normalement, devriez l'entendre. Oui. Vu que j'ai eu des problèmes son là aujourd'hui, hein, j'ai eu des soucis son, hein, puisque c'est un stream qui est sponsorisé par Justin Bridoux, hein, les soucis son, les fameux. Du coup, voilà. On risquait d'avoir un petit temps de latence le temps que. Voilà. Qu'est-ce que ça apparaît sur ce putain d'écran? Est-ce que vous avez vu la vidéo ou pas? Ou pas, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, très bien, c'était effectivement ça. Moi, j'ai pas vu puisque j'ai pas le même retour. Est-ce que vous avez entendu le son? Arthur et Perceval. Non, donc, puisqu'il n'y a pas eu le son, il va falloir que je rebricole ça encore une fois. Ça commence à me gonfler. Enfin, je vois pas d'autres mots. Hein. C'est un problème, hein. C'est un sérieux problème. On dirait pas comme ça. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça fait ça, hein, très honnêtement. Je n'ai franchement aucune idée de pourquoi ça merde comme ça. Hein. Normalement, on devrait l'entendre. Sauf si. Là, voilà, vous auriez. Là, normalement, vous l'avez entendu. Voilà. Là, normalement, voilà. Ça devrait être beaucoup mieux. Logiquement, attention.
Là, vous avez le truc, là, très bien. Mais c'est un machin de malin, en fait, je comprends. Voilà, là, normalement, c'est bon aussi. Voilà. Ah, c'est brouillé, c'est pas vrai. C'est pas possible! Pourquoi ça fait ça? Alors, ouais, enfin, pourquoi, je sais pas, mais c'est vrai que d'habitude ça marche très bien ou pas du tout. Donc là, apparemment, aujourd'hui, c'est pas du tout. Alors aujourd'hui, il a pas envie. Le truc, il s'est dit, non, écoute, je vais te faire chier, hein, je vais aller jusqu'au bout, je vais t'emmerder. Ça, il y a des fois comme ça, hein, c'est voilà, hein, faut pas chercher. Hein. C'est un loisir. Si, voilà. Ça veut faire chier, ça veut pas faire chier. C'est réellement un loisir. Attention, on croirait pas comme ça, mais. Et même au niveau de la commande, en fait, ça marche pas forcément super bien. Il y a un sérieux souci. Il y a un saucisson. Les fameux saucissons, encore une fois. Encore une fois, les saucissons. Ah là 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 là. Et salut à toi Choupichef, comment vas-tu? Alors attendez, on va faire autrement. C'est vrai que les questions qui sont en rapport avec le avec les vidéos, déjà je crois que les questions vidéo, il va falloir que je les jarte. Parce qu'à chaque fois, on est emmerdé. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Donc du coup, je pense que je vais les jarter quand je vais faire la nouvelle mouture de l'émission. Eh bien, ça va, ça va. Ça va tranquillou. Donc, première question, on s'en fout de la vidéo, hein, bien sûr. J'ai carrément changé de fiche, hein, voilà. Dans la saga Dragon Ball, qu'arrive-t-il à Lunch lorsqu'elle éternue? C'était une question qui était déjà sortie, mais c'est pas gênant. Et oui, elle se transforme. Donc premier point, pardon, pour toi, Costa. D'ailleurs, June avait fait 3 points, ce serait bien que je le marque. Ouais, parce que voilà. 3, 2, 3 points pour June. Et premier point pour Costa. Alors Lunch, c'était pas assez vieux ça, dis donc. On la voit plus du tout d'ailleurs après. Enfin moi je l'ai jamais revue. Ouais, c'est dans Dragon Ball. Oui, quand Son Goku est gamin, hein, pas dans le Dragon Ball Z. Ouais. On continue. Question suivante. Dans quel film réalisé par Neil Jordan en 1994 peut-on voir à l'affiche Brad Pitt et Tom Cruise? Là, June va répondre, hein, instinctivement. Les premières érections. Comment ça, tes premières érections? La bonne réponse, c'est Crook qui la donne. Donc là, par contre, c'est pas suffisant avec le vampire. Et Sayu à toi ou Yunawi. Donc vampire c'est pas suffisant, il me faut le copier-coller complet et entretien avec un vampire et c'est bon. Et deuxième point pour toi Costa. Effectivement entretien avec un vampire, très très bon film de vampire d'ailleurs, hein, qui est, si je dis pas de conneries, le premier opus d'une trilogie en fait qui est basée sur la vie du vampire Lestat. Puisqu'après on a La Reine des damnés, hein, qui est une sorte de suite à Lestat, à Entretien avec un vampire, mais avec carrément des acteurs différents, voilà. Mais ça s'est tiré du même univers, de la même trilogie. Et je sais plus comment s'appelait le troisième, j'ai oublié. On continue. Qui interprète le rôle du colonel Jack O'Neill dans le film de Roland Emmerich, Stargate, sorti en 1994? Donc je veux pas Richard Dean Anderson, attention. Bon, la bonne réponse vient d'apparaître.
La bonne réponse vient d'apparaître. Et merci à toi pour le follow, Yonaoui. Alors, James Spader, par contre, a interprété le rôle de Daniel Jackson. Et oui, Costa, c'est effectivement Kurt Russell qui interprète le rôle de Jack O'Neill. Daniel Jackson étant interprété par James Spader, puis plus tard par Michael Chance. Très bonne réponse, Kurt Russell. On continue dans Star Wars. De quelle espèce est le général Grievous? Ou Grievous? Grievous, pardon. J'ai toujours du mal avec celui-là, je sais pas pourquoi. Dans Star Wars, de quelle espèce est le général Grievous? Non. C'est bah là c'est un sporg, mais en fait, il appartient à une espèce à la base. C'était un général donc de cette planète, hein, de cette espèce. Et il a perdu une bataille, il s'est fait récupérer par le comte Dooku et sa clique. Et ils ont transformé donc ce général en cyborg. Et alors c'est pas Kalishi, mais on n'est pas loin. Effectivement, il est Kalish. Hein. Alors petit moyen mnémotechnique, Grievous, petit caniche, caniche, Kalish, voilà, on s'en rappelle comme ça. Enfin moi je m'en rappelle comme ça. Alors ça marche pour moi, hein, à voir si ça marche pour vous, bien sûr, c'est des moyens mnémotechniques à la con. Mais pourquoi pas. Donc pas de points par contre pour celle-là. Hein. Tu as toujours 3 points. Dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, sur quelle planète se trouve l'usine de fabrication de clones? Alors une planète lointaine, donc c'est pas Tatooine, bien sûr. Il reste 12 secondes. Ce n'est pas Geonosis ni Naboo. C'est une planète où d'ailleurs Obi-Wan Kenobi va affronter Jango Fett. C'est une planète où il pleut tout le temps, il y a de l'eau tout le temps. Et June a la bonne réponse, effectivement. Le timer est à zéro. June a la bonne réponse, c'est la planète Kamino. Et GG à toi, June. On continue pour cette donc dernière question. 3 points pour le moment pour toi, Costa. Dernière question. Si je dis pas de conneries, bien sûr. Hein. Ah ben non, 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 c'est bon. Non, non, c'est pas la dernière question. 3 points pour toi, June, pardon. Costa. Ah non, non, c'est pas la dernière question. Non, non, c'est avec ce mélange de fiches là de tout à l'heure. J'étais un peu perdu, mais non, on a fait les 5 questions. C'est donc à toi, Champi. Quelle catégorie de questions vas-tu choisir? Go 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 Power Champi. Antiquité mythologie. Voilà, ça c'est bien. C'est ça, c'est des questions qu'il faut prendre. Surtout que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile qu'on pourrait le croire. Sauf si j'ai envie d'être un enculé. Ça, par contre, je peux très bien vous pondre des questions dégueulasses. Parce qu'il y en a. Est-ce que tu es prêt, Champi? Oui, en même temps, c'est vrai que cet aspect. Dans la mythologie égyptienne, quelle déesse est la déesse de l'amour et accessoirement du foyer hein, aussi? Pas forcément, Costa. Et oui, c'est Hathor, hein, si Sex and Drugs, hein, et Rock'n'Roll aussi, on peut le mettre par-dessus. Effectivement, c'est donc Hathor. Hathor, déesse égyptienne, donc de l'amour, mais également du foyer. Elle donnera plus tard naissance à Aphrodite, qui, elle, donnera naissance à Vénus. Et on retrouve hein, des similarités après chez les Aztèques, les Chinois, les machins. Enfin, bref. On continue. De quel peuple venu d'Asie centrale est originaire Attila? Arthur, couillère! Deuxième point pour toi, Champi. Effectivement, ce sont les Huns. Attila, le Hun. Donc ce ne sont pas les Burgondes, hein, comme j'ai fait la pâle imitation à l'instant. Maintenant, on va voir si Champi est fort. Si Champi, il est fort en empereur romain. Hein. Parce qu'on a beaucoup tendance à connaître les 12 premiers. Hein. Je le rappelle, hein, je le dis comme ça. C'est Auguste, Tibère, Caligula, Clone, Néron, Galba, Othon, Vitellius, Vespasien, Titus, Domitien. Ensuite, hein, on va avoir Adrien. Mais par contre, on est au-delà. Hein, on est au-delà de ça. Donc, est-ce qu'il va connaître ceci? Je ne suis pas convaincu. On va voir ça de suite. La question est la suivante. Quel empereur romain
née en septembre 86 et mort le 7 mars 161, régna de 138 à 161, était originaire de Nîmes. Empereur romain originaire de Nîmes qui devient empereur de 138 à 161 jusqu'à sa mort donc. Donc cet empereur succède à Adrien. Adrien, c'est de 117. Non, de 96 à 117, pardon. Et, ah oui, non, il succède pas à Adrien. Tant pour moi, j'en oublie. Hein. Alors non, ce n'est pas César. César n'a jamais été empereur du tout, hein, d'ailleurs. Par contre, le titre, oui, hein, ça a été repris par beaucoup, par beaucoup d'empereurs. Mais déjà, à ce moment-là, Adrien n'a jamais été surnommé César. Le titre César est revenu sur la fin de l'Empire. Et ça, Adrien, j'ai oublié le nom de celui qui est entre les deux, là. Il me semble que c'est un chef militaire, parce que... ouais, je sais plus. Enfin, c'est un général qui a succédé à Adrien. Krug a la bonne réponse. Enfin, le pieux, je suis pas convaincu, mais Antonin, effectivement. Antonin est donc empereur romain de 138 à 161. Effectivement. Bien joué, Krug. On continue et on reste du côté de Nîmes. Hein. Quel monument nîmois est le temple romain le mieux conservé de l'Antiquité romaine? Un temple. Costa, la bonne réponse. Et c'est, oui, Krug aussi, et c'est effectivement la maison carrée. Donc, troisième point pour toi, Champy. Donc, oui, effectivement, la maison carrée est à travers l'ensemble de l'Empire romain et le temple le mieux conservé. Et chose qui est assez intéressante concernant donc cette antiquité, les monuments qui en résultent, en France, on a deux monuments qui datent de l'époque romaine et qui sont à travers le globe, enfin à travers l'Empire plus exactement, les mieux conservés. On a donc la maison carrée hein, qui est un temple qui était par la suite une bibliothèque et aujourd'hui une salle de projection pour des mini-films en relation avec l'histoire et qui s'est tenue par Culture Espace d'ailleurs pour ceux qui connaissent, Michael Gouzigou hein, plus exactement. Mais nous avons juste un peu plus loin, à Orange, le théâtre antique d'Orange, construit par Auguste, qui est lui aussi le théâtre antique le mieux conservé de l'Antiquité romaine. Voilà, donc deux monuments en France qui sont les mieux conservés de cette antiquité lointaine. Dernière question pour toi, Champy. Alors là, je vais être assez chiant. C'est pas pour te desservir, c'est juste que juste la date, c'est trop facile. C'est un petit peu trop simple. Après, je l'accepterai, hein, bien sûr. Hein. Mais j'aimerais avoir la date exacte, jour, mois et année de la fondation légendaire de Rome. Bien sûr, j'accepte la date. Hein, voilà. Mais si je peux tout avoir, ce serait encore beaucoup mieux. Ah, Krug a la bonne réponse déjà. Par contre, il n'a pas l'année. Voilà, June a tout mis. Effectivement, donc c'est enfin moins 753 parce que 753, voilà. Mais effectivement. Voilà. C'est le fil. Bon allez, je suis gentil, j'accorde. Je sais pas. June, Costa, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui donne. Effectivement, c'était le 21 avril, moins 753, que la légendaire fondation de Rome par Romulus est faite et est établie, hein, suivant le calendrier romain, hein, en tout cas. Et oui, avant Jean-Claude, tout à fait. Bah ça fait quand même pas mal de temps, hein. Avant la naissance de Jean-Claude Van Damme, ça fait quand même pas mal de temps. En même temps, au Québec, il compte à partir de Céline. Hein. On est en 112 avant Céline Dion, ou en 13 après Céline. C'est... D'ailleurs, en 112 avant Céline, il y avait la fameuse guerre civile des croissants au beurre, hein, pour ceux qui connaissent. Tabernacle. Bien, donc c'est Champy qui est en finale. Bravo à toi,
champi avec tes 4 points. Hein, grâce à Jun et Crew qui t'ont gracieusement donné la réponse. Hein. Mais vraiment gracieusement, hein, parce que s'ils avaient, si Jun ou Krug n'avait pas donné la réponse, bon Krug il s'en fout, il est en finale déjà, mais si Jun n'avait pas donné la réponse, eh bien ça faisait un 3 points. Hein. 3 points pour Jun, 3 points pour Costa, 3 points pour Champy, c'était question subsidiaire. Et ben là, oui, Champy, tu peux dire merci à Jun et à Krug, hein, bien sûr. Est-ce qu'on fait la finale tout de suite ou est-ce qu'on se... Une petite pause pipi caca, hein, comme vous voulez. Hein, moi je suis chaud bouillant pour la finale, donc c'est comme vous voulez. Donc tout le monde est là, tout le monde est là. Bon bah allez, on se fait la finale tout de suite. Petite finale directement, pourquoi pas. Alors je vais quand même retenter parce que j'ai une petite vidéo. Je vais quand même retenter, on va voir si ça passe cette fois. Je suis pas franchement convaincu, mais on va tester. Voilà. Ça va falloir sérieusement que j'y retravaille, hein. Très clairement, parce que c'est horrible. Enfin bref. Donc pourtant ça se lance, hein. Enfin bref. Allez. Finale. Est-ce que vous êtes prêts? Lema, Krug, Champy, est-ce que vous êtes prêts à voir la finale? Donc là, je répète les règles, c'est chacun pour sa gueule, on répond le plus vite possible sur Twitch. Et le premier qui est, dont je vois, hein, parce que c'est mon chat qui fait foi, le premier dont je vois la bonne réponse marque le point, et ce jusqu'à arriver à 5 points. On y va, on est en catégorie histoire, attention, les questions augmentent en difficulté là par contre. Hein. Attention, hein, c'est plus les... y a plus les trucs faciles. Hein. En quelle année débute la guerre franco-prussienne marquant la fin du Second Empire? Et non, ce n'est pas en 1814, Champy, ce n'est pas en 1814. Ce n'est pas en 2024, c'est pas encore maintenant. Ce n'est pas en 1815, ce n'est pas en 1914, ce n'est pas en 1816, c'est en 1870, effectivement, bravo à toi, Krug. Premier point. 1870, la guerre donc franco-prussienne qui oppose donc les Prussiens à l'armée française, hein, et qui se termine l'année d'après, hein, avec la reddition de l'armée française. Et oui, déjà. Hein. Donc, reddition de l'armée française, mais attention avec garnison, hein, garnison prussienne établie autour de Paris. Hein, ça faisait partie des conditions, hein, voilà. Donc pendant quelques années, on avait donc ces garnisons autour de Paris, et ce jusqu'à ce que la dette de guerre soit remboursée, hein, voilà, par la France, hein, voilà. Donc ça c'est 1870. Premier bon point pour toi, donc Krug, avec cette question. Donc alors j'ai confondu avec la première guerre. Oui, j'ai vu ça, Champy, effectivement. Ton score, ça fait une bite. Oui, aussi. Mais un fuck, hein, également, ça fait un fuck. voilà, ça fait aussi un fuck, d'ailleurs. Hein, voilà, il vous fait même un chaos, hein, pour le coup. Là, vous étiez tous, même dans des dates qui sont pas encore passées. Donc voilà. On continue dans la catégorie histoire. Quel volcan entra en éruption le 27 août 1883, engendrant un nuage visible jusqu'en Europe du Nord? Et accessoirement, il a aussi créé les îles qui sont actuelles aujourd'hui. Donc ce n'est pas le Stromboli, ce n'est pas le Vésuve, ce n'est pas la montagne Pelée. Et Jun a la bonne réponse, effectivement. Et c'est Lema qui fait le bon copier-coller. Effectivement, c'est le Krakatoa, Krakatoa qui est en Indonésie, enfin, je crois, ouais, à côté de l'Indonésie, en Nouvelle-Calédonie, pardon. Et donc, toutes les îles de Nouvelle-Calédonie, enfin, les trois quarts, en fait, sont générées grâce à, ou à cause de cette éruption qui a été absolument gigantesque et qui a fait chuter quand même les températures à travers le globe, et ce jusqu'à maintenant, de 2 degrés. Je le dis comme ça au passage, hein. Et on retrouve dans les carottes glaciaires, on retrouve les traces de cette explosion gigantesque, coulée pyroplastique, qui a été absolument terrible. Il y a un très bon documentaire qui traîne sur YouTube pour ceux que ça intéresse.
On continue et cette fois on est dans Antiquité, Mythologie. Quel mathématicien et philosophe grec a donné son nom à la table de blablabla, ça y est, je bafouille. A donné son nom à la table de multiplication à double entrée. Et c'est Champi. Quasiment tac au tac, effectivement, c'est Pythagore, à ne pas confondre avec Pablo Picasso. Et pourtant, les deux avaient l'esprit tout aussi tordu. Mais voilà. Donc Pythagore, qui était un très grand voyageur, hein, Pythagore est quand même, je le rappelle, à l'origine du druidisme moderne. Le druidisme, enfin quand je dis moderne, c'est-à-dire après les Grecs. Donc à l'époque de l'invasion romaine, on était déjà dans le druidisme moderne. Et parce que le druidisme moderne, en fait, se base sur le chiffre 10 et le chiffre 10 et la suite pythagoricienne, ni plus ni moins. Et donc, on peut en déduire que le druidisme moderne s'inspire grandement des recherches de Pythagore. Ouais, il n'a pas fait que le théorème, hein, il n'a pas fait que son histoire de triangle rectangle, et là, il a inventé une suite qui était assez marrante aussi. Et entre autres choses, hein, il n'a pas fait que ça. Ouais, exactement. On continue. Dans la Grèce antique, quelle unité de monnaie et de poids valait le sixième d'une drachme? Ah bah j'avais prévenu, hein, il y a des questions de pute à la finale. Hein. Attends, jamais, je l'ai dit. Hein. Non, ce n'est pas le denier c'est romain. Quelle monnaie valait le sixième du drachme? Dans la Grèce antique, ce n'est pas le talent. Le talent est venu plus tard. Bien, bien plus tard. Le centime est venu bien encore après. Et personne ne l'a. Est-ce que quelqu'un connaît? Ah, et ben voilà. Krug le dit, mais malheureusement, en dehors du timer, effectivement, c'est l'obol qui valait donc le sixième du drachme. Bravo à toi, Krug, pour cette réponse. Très bien joué. Très, très, très bien joué. Catégorie jeux vidéo maintenant. Quelle console tente sa chance en 1987 avant de connaître un gros flop? On est en 87, un petit peu avant l'explosion de la bulle. Donc ce n'est pas la Dreamcast, hein, ce n'est pas la NEC. Pourtant, c'est une console assez intéressante. Ce n'est pas la Game Gear, ce n'est pas la Lynx ou la Lynx. Il reste 10 secondes, allez-y, spammez. Ce n'est pas le Visual 3D, on est là, on est dans les années 80, effectivement. Ce n'est pas la Pico. Et personne ne l'a. Si je vous dis le nom de la fin de la console 64GS, est-ce que ça vous parle? Et oui, effectivement, c'est la Commodore 64GS, tout à fait, Costa. C'est la Commodore qui tente sa chance en 87 et qui se ramasse lamentablement d'ailleurs. On continue toujours en jeu vidéo. Quel est le nom de la console lancée en 87 aussi par la société NEC? Et là, je ne l'ai pas encore vu. Et oui, Krog marque le point. Effectivement, c'est la PC Engine. PC Engine, très bonne réponse de Krog. J'aime beaucoup les finales qui sont serrées comme ça, c'est magnifique. C'est des beaux challenges, c'est beau, c'est sport, c'est bien. Et on continue, on continue, on continue. Dans la catégorie cette fois, cinéma, télévision. Qui réalisa la bande originale du film Pat Garrett et Billy le Kid de, pardon, Pat Garrett et Billy le Kid de Sam Peckinpah? Qui réalise la bande originale de ce film, Pat Garrett et Billy le Kid. Et ce n'est pas Ennio Morricone. Allez chercher en dehors des films, enfin des auteurs. Et c'est Lema qui l'a. Bob Dylan, très bonne réponse de Lema. Par contre, je vais trop vite moi dans mes trucs. J'ai tout déplacé. Voilà. Eh oui, c'est Bob Dylan qui réalise cette bande originale. C'est vrai que dès qu'on parle de western, machin, on a tendance à dire Morricone. Et là, non. Et ben là, non, c'est Bob Dylan. Et elle est très très bonne comme bande originale. Si vous, on peut la trouver sur YouTube aussi. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble.
Et on continue maintenant, on va dans l'univers de Starsky et Hutch, puisqu'on est toujours dans Ciné TV. Quel est le code radio utilisé par Starsky et Hutch? Et oui, c'est Crook, Zebra 3. Très bonne réponse. Ah, c'est bien, ça se bat là, c'est du coude à coude, c'est bon, c'est bon. Catégorie histoire, à nouveau, quel objet de la royauté n'ayant traditionnellement, n'étant, pardon, quel objet de la royauté n'étant traditionnellement porté qu'une seule fois, était généralement constitué d'un cercle en métal précieux? Et c'est là, Costa a la bonne réponse. Et c'est la couronne, et c'est Krug qui marque à nouveau en premier, enfin sur mon chat en tout cas. 4 points, attention, attention messieurs, attention, Lema, Champi. Il reste plus qu'un point à obtenir pour Krug pour remporter les papas. Question suivante, on est toujours en histoire. Quelle bataille Napoléon Ier remporte-t-il sur les Autrichiens les 5 et 6 juillet 1809? Et ce n'est pas Austerlitz. Et Krug remporte. Question pour un viewer du 15 avril 2018 avec la bonne réponse. Wagram, effectivement. Wagram qui est une des plus grandes victoires hein, du nain corse, hein, comme je l'appelle. Et oui, Wagram, hein, 5 et 6 juillet 1809. Effectivement, très bonne réponse. Eh bien, bravo, hein, bravo, du coup, hein, tu as le droit d'avoir le « ouais, bravo, machin, etc. Hein, » si les vidéos veulent bien passer, tu vas même avoir le droit hein, au mec qui est content. Hein, voilà, ça, on sent le mec qui est heureux, voilà, regarde, hop, ah, il est heureux. Oh, qu'il est heureux, oh, c'est un homme joyeux, ça. C'est magnifique. Ah là 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 là. Par contre, si tout veut bien... Voilà, il y a même le chaos, hein, je vous mets le chaos et tout, midule, vous avez le droit à tout. Allez. C'est magnifique. Bravo, allez, encore un petit coup, hein, pour le plaisir, hein, comme dirait Julien Lepers. Voilà, allez, très bien. Donc, je répète ce que tu as gagné, hein, Krug. Je répète ce que tu as gagné. Tu as donc gagné le Mr. Robot Society. Après, il y a des trucs écrits à côté. Est-ce que, à tout hasard, j'ai pas oublié un... Non. Non, non. Ensuite, la pop Star Wars d'un pilote de T-Fighter plus un comics Spawn. Donc bien sûr, je t'invite à donner par MP hein, tes coordonnées postales pour que je puisse t'envoyer tout ça. Quant au deuxième et troisième qui sont Mister Champy et Lema, vous remportez une clé USB que je vous transmets de suite. Alors n'hésitez pas à me dire... si ça passe. Ouais, parce que des fois, je suis méfiant. Je préfère être méfiant. Donc, alors, qu'est-ce que je vais vous donner comme clé, là? Parce que j'en ai quand même pas mal, moi, là-dedans. Ah oui, j'ai quand même 3 pages et demie. Donc... Allez, on va donner ça. Donc ça va être... puisqu'il dit pour... c'est pour les Macs qui arrivent en deuxième position. Donc les Macs arrivent en deuxième position, tu as le droit à ta petite clé Steam. Voilà, j'espère. Après, si tu as déjà le jeu, tu pourras la donner à quelqu'un. Ou... Enfin, après, tu fais ce que tu en veux. Ouais. Et pour le petit champi, on va lui donner... Hein, qui arrive en troisième position, hein, le petit champi, je le rappelle. Hein. On va lui donner cette petite clé-là. Hein. Champy pourtant est déjà un champion QPV. Il a quand même gagné 2-3 fois déjà. Eh bien, si ça passe pas, c'est très simple que ça. Si la clé ne passe pas, eh ben, faut me le dire. Parce que je renvoie une autre. Tout simplement. Soit ça, ou alors je vous envoie un petit sachet de gravier. Hein, parce qu'il va se faire fister autant que ça soit un petit peu douloureux hein, pour les sadomasochistes. Surtout qu'avec 50 nuances de grès, on aime hein, maintenant. Donc voilà, hein, c'est deux options possibles. Oui, alors oui, Krug, effectivement, hein, je viens de recevoir ton message. Il faut que tu me passes tes coordonnées postales. Parce que je t'envoie ça par la poste, hein, bien sûr.
Donc voilà. Parce que j'ai tout, hein. J'ai les figurines, c'est chez moi, machin, donc voilà. J'ai pas encore d'entrepôt de stockage, peut-être qu'un jour. Comment ça? Ah merde! Ah très bien, Lema. Bah écoute, je t'en passe de suite une autre. Je t'en passe de suite une autre. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le retour aussi rapidement. Hop, voilà. En espérant que ça passe cette fois. Et salut Maskai, comment ça va? Tu viens de te lever, bah écoute, tu arrives à la fin, malheureusement. Hein. Donc c'est Krug hein, qui a remporté la finale, suivi de Lema et de Champi qui arrive en troisième position. Et j'en suis à la distribution des cadeaux. Merci Krug, donc je t'envoie ça le plus rapidement possible. Après, tu me feras une petite photo hein, quand tu auras reçu. Hein, je demande ça pour deux raisons. Hein. La première, bon, bah, c'est parce que bah, ça fait plaisir d'avoir la petite photo, voir que tout est bien arrivé. Et surtout, voir que tout est bien arrivé en bon état. Hein, puisque bon, j'ai rien contre nos amis facteurs, mais des fois, hein, c'est. Voilà. Des fois, c'est assez particulier. Donc pour Champy, le jeu passe. Parfait. Parfait, parfait. Le jeu passe pour Champy, c'est magnifique. Il y a un petit souci par contre au niveau de Lema qui a du mal à faire fonctionner son jeu. Ah, il y a le service après-vente hein, en plus, hein, vous avez vu ça? Pour celui-là, c'est bon. Ok, donc Champy lui part. Je lui donne un peu les noms, hein, bien sûr. Champy va repartir avec Ravensward Shadowland. Et notre ami Lema lui va repartir avec Gollum. Hein, je pense, hein, il va aller chercher du Gollum. Hein, parce que bah, c'est toujours marrant d'aller chasser le Gollum en forêt de Bobigny. Ça change des taupes. Il va partir sur Lord of the Fallen Digital Deluxe Edition, qui n'a rien à voir, bien sûr, avec le Seigneur des Anneaux. C'était juste pour la connerie. Voilà. Donc, Lord of the Fallen Digital Deluxe Edition. Voilà pour Lema. Et donc, je répète ce que Krug a gagné, c'est-à-dire là le Mr. Robot Society qui est une figurine, la pop de chasseur de pilote T de Star Wars et le comics Spawn, ainsi que peut-être un t-shirt et puis des bricoles que je rajouterai à côté, comme je fais habituellement. Voilà. Enfin, oui, c'est devenu limite habituel d'avoir des trucs en plus hein, maintenant. Ah mais de rien, mais je suis content que ça te fasse plaisir. Je suis content que ça te fasse plaisir. Tu l'as mérité hein, en même temps. Hein, voilà. Mais je suis pas pour donner. Enfin, ça me gêne pas hein, les giveaways comme ça, à l'arrache. Voilà. Mais sur Twitch, moi, je suis d'avis d'essayer de faire quelque chose qui soit ludique et dans lequel on puisse se marrer. Donc si en plus de ça on peut gagner des trucs, bah voilà, autant le faire quoi. Si je peux me permettre de vous faire gagner des trucs, autant que je le fasse. bras dessous, exactement. Le rêve, exactement. Du coup, je rappelle très brièvement ce qui va se passer dans les prochains jours. Demain, le concert Gaming Live à partir de 21h. Donc c'est un autre gaming live, un autre concert avec encore une fois de nouveaux morceaux consacrés aux jeux vidéo qui seront diffusés. On est toujours avec le gaming live, l'orchestre gaming live. Mardi 21h Ciné Gaming Uncharted 4 suivi du mardi Uncharted 5. Donc le 5 c'est le nouveau hein, qui est sorti là. Voilà. Et le jeudi, Ciné Gaming 21h toujours avec Star Wars The Force Unleashed. Samedi, on a le droit à 21h aussi. L'intégrale de la série Elder Scrolls, le lore, qui je le rappelle avait été fait en collaboration avec le youtubeur Ludwig Lorcan, que je recommande encore une fois, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Facebook et YouTube. Et dimanche, le troisième et dernier épisode de la série
Livre audio Elder Scrolls qui a été fait en collaboration avec Sky Vinyl ici présente. Voilà pour le programme de la semaine. Quant à moi, bah, vous pourrez me retrouver hein, bien sûr sur les différents chats des streamers ici présents. Hein, à raconter des conneries bien souvent, hein, parce que c'est un peu ma spécialité. Hein, voilà, hein. J'aime beaucoup l'histoire, mais j'aime beaucoup les conneries aussi. Ah, donc si on peut lier les deux, des fois c'est bien, hein, c'est ce qui me permet d'avoir créé ce jeu par exemple. Mais bon, en général c'est surtout les conneries, hein, voilà. Et là, le Camoulox, très bien Walmart, c'est très bien de reparler du Camoulox. Le Camoulox, lui, se tiendra le 1er mai, hein, quitte à fêter la fête du travail correctement, autant le faire avec une belle connerie, hein. Et ça, ce sera donc dans l'après-midi du 1er mai pour ceux qui seront présents. Donc le Camoulox, pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient participer, c'est certainement le plus gros défouloir de l'histoire de Twitch. Je dis pas ça pour me vanter, hein, vraiment. Pour ceux qui connaissent le Camoulox de KD Olivier, c'est la même chose mais adapté sur Twitch. C'est-à-dire il y a zéro règle, on dit de la merde. Voilà, c'est une heure et demie d'émission où on dit de la merde. C'est un jeu qui a aucune règle, c'est juste pour balancer des conneries. Voilà. Alors j'ai fait l'arbitre, hein, parce que je fais style, il y en a des règles, mais en fait il n'y en a pas du tout. Voilà. Mais c'est un défouloir. Voilà, c'est juste fait pour raconter de la merde. Là c'est autorisé, on a le droit de dire de la grosse connerie. Et on a même le droit hein, d'insulter tout le monde. Ça c'est bien aussi. Des fois, dans la limite du respect possible, hein, mais est disponible aussi, hein, les deux. Non, mais conneries mises à part, voilà. Il n'y a pas de souci quand on veut lâcher de la taquinerie, mais par contre, pas de moquerie ou de méchanceté gratuite, c'est tout. Donc, c'est vraiment un défouloir, c'est fait exprès, voilà. Donc, voilà pour le Camoulox. Donc, ça, voilà, en 1er mai, faites du travail. Entre deux brins de muguet, si vous voulez raconter une connerie, bah vous pourrez aller chercher sur ma chaîne le Camoulox. J'en fais pas beaucoup, hein, je dois bien avouer que j'en fais pas beaucoup. On va retrouver par contre un petit peu plus tard, hein, pas le week-end qui vient, puisque le week-end qui vient, c'est, je le rappelle, le dernier épisode du livre audio Elder Scrolls. Mais le week-end d'après, on aura un Génération TV à 13h le dimanche. Voilà. Donc Génération TV, pour les fans de cinéma, de petits et de grands écrans, hein, plus exactement, ce sont des questions qui font s'affronter un challenger contre l'ensemble du chat. Donc le chat a le droit de tricher, hein, d'aller chercher les infos, les réponses sur Google. Et le challenger, lui, dispose de l'avantage du décalage de Twitch pour pouvoir donner la réponse sur des films, séries et émissions culturelles de divertissement ou autres, émissions de télé de 1950 à nos jours. Voilà pour ce qui est de Génération TV. Oui, bah ça change un peu. Hein, voilà. Bah, après, je sais pas qui a la chute à Krug, mais ça change un peu. Ah oui, 46, ça, bah oui. Bah voilà, parfait. Donc je t'envoie tout ça, Krug d'ailleurs, je ferai partir certainement samedi prochain, parce que moi la poste est malheureusement ouverte que le samedi matin, hein, sinon c'est ouvert en semaine l'après-midi, mais moi je suis au boulot, donc je peux pas être partout non plus, malheureusement. Donc ça partira samedi matin prochain, et tu y recevras le lundi ou le mardi si tout va bien, le mardi en général. Ah mais ça ne veut rien dire des fois, ça ne veut rien dire. C'est pas l'âge hein, qui fait la connaissance des gens. Hein. C'est pas l'âge. L'âge donne un vécu. Hein, mais si on emploie ce vécu à regarder Nabila ou Squeezie, bah, un gamin de 15 ans qui sait encore comment on ouvre un bouquin peut très bien le battre. Voilà, hein, si. Bon, j'ai encore été méchant avec Nabila et Squeezie, hein. Nabila, Squeezie, si vous me regardez, je le pense. Allez, sur ce, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bien sûr une très bonne fin de journée. Une très bonne fin de week-end. Courage à tous ceux qui vont retravailler demain, hein, qui reprennent la semaine demain. Hein, voilà.
ce qui est mon cas, hein, je vous rassure. Ou pas. On se retrouve donc tout à l'heure sur différents streams, hein, certainement pour ceux que je vais recroiser. Sinon, eh ben, ce sera à partir de demain soir pour le concert Gaming Live, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est pas du blabla, c'est juste un concert classique. Hein, voilà. Et merci pour les bits, 10 bits, et bah ça fait quand même 20 testicouilles. Merci à toi, Champi. Merci beaucoup pour les testicouilles. Oui, moi je compte en testicouilles, je trouve ça plus glamour. C'est encore une connerie. Du coup, voilà. Bonne fin de journée tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi Question pour un viewer. D'avoir participé, hein, Joe, Nema, Krug, Champi, Costa. Merci aux viewers également, hein, Calice qui est passé, Sky qui doit toujours être là caché en train de d'émerger de son long sommeil, hein, de Reine des Neiges. Oui, parce que Sky chante, hein, bien sûr, la Reine des Neiges, hein, c'est connu. D'où la référence. Et oui, bah oui, bonne soirée, c'est ça, bah, bonne soirée à tout le monde, voilà. Voilà, je constate tout dit. Merci. Merci à tous, c'était donc Elser pour question pour un viewer. Bye bye à tous.